Bien sûr, j'en ai conscience, j'accède à cette fonction dans un moment particulier de notre vie politique. La configuration de notre Assemblée est inédite. Les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre. Ils nous ont choisis, ils nous ont élus et nous partageons, quelles que soient nos différences, une responsabilité, celle de répondre à l'espoir que cette Assemblée, qui a le visage de la France, a fait naître chez nos concitoyens. L'espoir de nous voir sortir de ces querelles stériles que l'on nous a trop souvent reprochées, pour avancer ensemble au service de la France et des Français. Notre Assemblée...